Salut tout le monde, ici PH pour Stack.ca. Vous êtes présentement live en direct sur la plateforme de votre choix, soit Facebook, YouTube, Twitch, LinkedIn ou Breaker TV. Mais bref, l'important c'est qu'on est ensemble ce soir, 9h pile. Nous sommes présentement en direct pour le break numéro 37, 4 boîtes de Young Gun des deux dernières années, donc les deux années les plus récentes, 19, 20, 20, 21, série 1, série 2, série 1 et série 2, les deux dernières années. Alors, un grand merci. Merci d'avoir rempli ce break assez rapidement. Oui, tout le monde a été chercher sa place. Et donc, on est complet. 31 places ont toutes été prises. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je crois que c'est sur Twitch. Je sais pas c'est quoi le bonhomme, je suis désolé, j'essaie d'isoler le bonhomme, mais je le vois pas. Bref, alors la personne qui m'a fait un beau Twitch, Tundi Rock, peut-être, seulement si ça le vaut. Alors la personne sur Twitch, je m'excuse, mais en tout cas, je vais essayer de me rapprocher pour voir c'est quoi le petit bonhomme. Alors... Ouais, Raphaël Palmero. Moi, j'ai plus aimé un bidule en feu. Ah, ok. J'ai plus été avec les Rangers. J'ai toujours adoré voir Nolan Ryan, naturellement. Ivan Rodriguez, dans mes joueurs préférés. Mais c'est vrai que Raphaël Palmero a joué un gros rôle avec les Rangers du Texas. Donc, pour tous ceux qui sont avec nous pour la première fois, une petite description très rapide. Si vous ne le saviez pas, si vous le savez, allez vous chercher quelque chose à boire. Ça va durer 2 minutes, pas plus, je vous le promets. Donc, Juan Gonzalez. Oui, Juan Gonzalez aussi. Alors, petit recap très rapide. 31 places, 31 équipes pour la Ligue nationale de hockey. On va faire un petit mélange de tout ça pour les noms et pour les équipes. Puis ensuite, on va tout assembler. Donc, à la fin de ce tour, vous aurez une équipe, c'est assuré. Si vous avez plus d'une place, ben vous aurez plus d'une équipe selon le nombre de places que vous avez pris. Et on va ouvrir les boîtes. C'est simple. Chaque carte portant l'équipe et le logo de l'équipe que vous avez est à vous. On vous envoie ça ensuite par la poste entre 24 et 48 heures pour avoir des petits délais comme aujourd'hui, on est vendredi. Je peux poster demain, mais ça se peut que je poste aussi dimanche. Et dimanche, ben, malheureusement, c'est fermé. Fait que ça se peut que ça aille juste à lundi, mais je fais toujours mon possible pour essayer de faire mes enveloppes le plus tôt possible. Mais en général, 24 heures, c'est parti. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil pour le setup. Alors, full cook, ben, merci beaucoup. Et je dois faire un méga culpa. Bien sûr. Dans le dernier break que j'ai effectué, il y avait une personne que j'ai malencontreusement appelée par son nom de famille et non son prénom. Alors, je tiens vraiment à faire toutes mes excuses et je ne t'appellerai pas par ton nom de famille encore une fois. Je veux juste être certain là, si c'est bien Caroline. De mémoire, c'est Caroline et non pas ton nom de famille qui commence par B. Alors, Caroline... toutes mes excuses, Caroline. Voilà. Ouais, c'est que probablement qu'il y a eu un échange, tu as dû mettre ton prénom dans le nom de famille et tout ça. Donc, moi, j'ai juste vu ça. Et bon, quand je suis arrivé en direct,
Il a fallu que je m'adapte. Mais je suis désolé, toutes mes excuses. Alors, je te souhaite la plus grande des chances pour toi ce soir. Très content que tu sois parmi nous. Miaou. Parmi nous. Ok, c'est une joke plate, je m'excuse. Alors, pour tous ceux qui sont revenus avec leur breuvage festif du vendredi soir, allons-y tout de suite avec ce que vous attendez le plus. Le brassage. Alors, un petit rappel de trois fois de chaque côté. Tour brassage des équipes trois fois. Brassage des noms des participants et participantes trois fois. Merci. Et on y va. Bonne chance à tout le monde. Là, j'ai. Dernièrement, quand j'ai pesé sur le bouton, ça arrivait. Des petits lags. Alors, on se croise les doigts ce soir. Ça devrait être corrigé. Alors, 3, 2, 1. C'est parti. Et pas de problème ce soir. C'est parti tout le monde. Alors, notre premier tour de brassage pour les équipes, c'est parti. Nous allons de Tampa aux Islanders. Maintenant, notre deuxième tour, voilà, de Edmonton à Caroline. Caroline. Donc, Edmonton à Caroline. Et le tour final du Colorado à Tampa Bay. Alors voilà pour nos trois brassages des équipes. Allons-y avec les participants. Participantes, c'est fait pour la première fois de Marc-André à Caroline. Et je ne me suis pas fait avoir cette fois-ci. De Carl ensuite pour le deuxième tour à David. Bonsoir David, je sais pas si tu es là. Très heureux de te voir parmi nous. Quelqu'un que j'avais pas vu depuis un bout. Et Caroline à Marc-André pour le tour final. Alors voilà, les équipes sont maintenant assignées. Oh, I think I forgot to mention hi to Nemeth. I think you're there, Nemeth. So Nemeth is from BC, from British Columbia, and I'm really happy to see you again. So I hope you get a better team that than the two the last time and the other time, so the last two breaks. So let me just have it a look at what team you are. Oh, I think you have Vegas. So good luck with Vegas. Vegas sounds like a team that may be very good. Cody Glass may be nice. Ok, yes, hi Nemat. Pour le retour ici parmi tout le monde, si d'autres personnes préfèrent l'anglais, n'hésitez pas à me faire juste un petit signe. Je suis fluent, je peux faire les deux. Je veux m'adapter, m'assurer que tout le monde comprenne bien qui a quoi. Alors, je ne ferai pas le tour complet de toutes les équipes pour tout le monde. Juste une petite mention spéciale à Marc-André, le Marc-André F, je crois. Oui, Marc-André F pour les Rangers qui pourraient avoir une bonne chance avec une Lafrenière. Bonne chance, bonne chance. On a ensuite Maxime avec Pittsburgh. Très, très bonne équipe avec Pittsburgh. Ottawa pour Sammy. Montréal pour Carl. Et nous avons Mathieu avec le Wild. Oui, le Wild est une bonne équipe, je vous le dis. Surtout en série 2 de cette année. Toutes les autres équipes sont quand même des bonnes équipes. David, je vois que tu as les sabres. Alors, un rebonjour et voilà, belle équipe. C'est toi, Mathieu. Ok, c'est Mathieu qui est sur Twitch. Donc, finalement, salut. Yes, tu as le Minnesota. Ben, je pense que tu es Mathieu. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse encore une fois. J'aime pas débaptiser les gens. Alors, pourquoi pas? On y va? C'est parti. Nos quatre boîtes sont présentes ici. Alors, une présentation de stack. Je vous sors tout de suite mon display qui sera ici, juste pour vous rappeler que nous sortons des belles cartes à chaque break. Et même dans les breaks où on a un peu moins de belles cartes, on a toujours beaucoup de plaisir. Et c'est ce qu'on recherche. Alors, naturellement, on veut des belles cartes, hein? Ça serait vraiment magique. Des Hylas exclusive, clear cut exclusive. Allez hop, on veut tout ça dans le même break. Alors pour tous ceux qui seraient intéressés encore une fois à un break
que j'appelle un peu plus abordable, donc à seulement 25$ de la place, vous pouvez toujours embarquer dans le break numéro 38 qui est sur le site internet. Juste à cliquer dans les breaks à venir et vous pouvez réserver votre place dès maintenant. Et si jamais c'est plein ce soir, ben je vous promets, moi je suis prêt pour une bonne soirée, là. Une petite soirée là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, une belle grosse soirée remplie de paquets. Alors, merci en avance à tous ceux qui le feront. Au plaisir de se revoir tout à l'heure. Et c'est parti! Good luck everyone! Bonne chance à tous pour le Colorado, Nathan MacKinnon, Shooting Stars. Alors, le Shooting Stars de Nathan MacKinnon. Première carte de ce break. C'est vrai, ils sont un petit peu collés, hein, ces cartes-là, ici. Deuxième paquet pour les Rangers. J'allais dire du Texas, ben oui. Trompé de ligue. Les Rangers de New York. Pure Energy, Mika Zibanejad. Alors, Mika Zibanejad. Merci, merci. Ouais, on a travaillé très fort sur cet aspect-là. On sait que c'est extrêmement important que tout le monde puisse bien voir le contenu de ce que j'ai entre les mains. Alors, on n'a pas lésiné sur la qualité. Zdeno Chara, Canvas pour les Bruins de Boston. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez toujours nous le dire. On est très ouvert aux « entre guillemets critiques ». Ou plutôt, nous, on préfère voir ça comme des recommandations, des possibilités d'amélioration. Notre première Young Gun, eh bien, elle est pour le Canadien de Montréal, de Carl. Oh, j'ai oublié quelque chose. Vilain que je suis vilain, je suis désolé, j'ai oublié de vous sortir ça ici. Voilà, pour ceux qui auraient peut-être manqué l'attribution des équipes, elle est de retour à votre droite. Oubliez aussi de vous mentionner les résultats de chacun des random est disponible ici. Prenez-les en note et vous pouvez toujours aller les consulter sur le site de random.org. Alors, Cale Fleury, Young Gun, notre première Young Gun ici pour le Canadien. Tiens, on va la mettre ici sur le côté. Canadien de Montréal. Prochain paquet. Et on y va. On a une Portraits ici pour les Red Wings de Détroit. Dylan Larkin. Portraits. J'ai-tu bien lu ou il était. Lui ici, il est terminé pour la saison. On a une rétro. Non, pas une rétro, c'est un insert ici pour les Rangers de New York. Wayne Gretzky collé un peu avec Connor Sherry, donc 30e anniversaire. Un petit set insert ici pour les Rangers, Wayne Gretzky. Ce n'est pas une carte $1 million malheureusement, mais ça reste une carte de Wayne Gretzky. Je crois qu'il y en a 10 de Wayne, 10 de Patrick Roy et 10 de Connor McDavid. La prochaine carte, une Pure Energy. Nathan MacKinnon pour le Colorado. Aïe, aïe, aïe. Déjà que ça n'était pas une grosse saison pour les Red Wings. Aïe, aïe, aïe. Dylan Larkin. Tellement rapide en plus ce joueur. Il est vite sur ses patins. On a une Young Gun ici. C'est pour les Sabres de Buffalo. Victor Olofsson. Alors... Young Gun, notre deuxième, Victor Olofsson pour les Sabres de Buffalo. Lui, là, il a eu un foutu début de saison hein, avec les Sabres. Après ça, ça s'est gâté. Victor Olofsson, je pense qu'il était rendu à moins 25 à un certain moment dans la saison. Mais quand même, je pense que c'est un bon jeune prometteur pour l'avenir des Sabres. Toujours est-il, on ne sait pas trop où est-ce que Jack Eichel va finir. Est-ce qu'il va rester à Buffalo? Est-ce qu'ils vont l'échanger? Bon, l'avenir à Buffalo est toujours un petit peu incertain, c'est dommage.
On a une canvas ici pour Nashville. Roman Yossi pour les Preds de Nashville. Prédateur de Nashville, Tennessee. La ville du country. Country. Des fans de country in the place. On a ici une Generation Next. Matthew Barzal pour les Islanders. Alors, Matthew Barzal. Le fameux paquet de bases avec les deux bases des Sharks qui se suivent. On a ouvert beaucoup de ces paquets-là à une certaine époque. La prochaine carte ici, nous avons une Portraits Rookie pour les Preds de Nashville, Dante Fabro, Portraits Rookie. Hey, salut mon Max! Pittsburgh, non, juste faire une mini-validation, là, je crois pas. Non, rien du tout. J'ai eu un mini doute dans ma tête, mais c'était Zdeno Chara, donc ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout de lien, mais non, pas pour l'instant. Tu arrives au bon moment dans ce cas-là. Tu n'as rien manqué pour ton équipe. On a une Young Gun ici. Elle semble être pour les Sharks de San Jose. Leon Bergman. Pour les Sharks. Qui aussi sont très, très présents. Dans la série 2 2020-21, je me rappelle jamais de la quantité exacte de Young Gun pour les Sharks, mais j'en compte au moins 4. Ce qui est quand même déjà beaucoup, sachant qu'il y en a d'autres aussi à Chicago, il y en a plusieurs, New Jersey. Donc, Leon Bergman pour les Sharks, troisième Young Gun. Il en reste 3 et peut-être potentiellement quelque chose d'autre de meilleur. Une clear cut, est-ce que c'en est une dans ce paquet là? Est-ce que c'est une Young Gun? Ah, je crois que c'est une base de clear cut. Attendons voir, c'est collé un petit peu. Donc, on a une base de clear cut ici pour les Blues de Saint-Louis, Robert Thomas. Pour les Blues. We made me Blues. Pause plus. Qui a les Blues? Allons voir ça. Alors, François, Robert Thomas, ici, pour les Blues, clear cut. Malheureusement, pas une Young Gun. Il était, si je ne me trompe pas, en 17-18, lui, ou 18-19. 17-18, c'était pas Tage Thompson. Puis lui, il était en 18-19. Ça se peut, ça. Hey, c'est donc bien collé. Excusez-moi, là, j'ai l'air de rusher un petit peu, là. Les cartes sont vraiment bien collées. Alors, Pure Energy pour les Panthers de la Floride. Jonathan Huberdeau. Allez. Ouh. Est-ce qu'il y en a ici ce soir parmi nous qui nous regardent? Je crois avoir plus d'une vingtaine de personnes. Peut-être que vous êtes gênés. N'hésitez pas à vous manifester. Est-ce que plusieurs sont ici grâce à l'opportunité de Monsieur Deal? Monsieur Deal, ce soir, qui nous a fait encore une belle publicité. Alors, Pierre-Luc Dubois, Canvas pour Columbus. Alors, si vous êtes là grâce à Monsieur Deal, vous pouvez vous manifester, me dire un petit bonjour. Hey, salut Maxime. Ben, enchanté, bienvenue. Je sais pas si c'est la première fois. Oui, je pense que c'est la première fois que je te vois ici. Alors, bienvenue. Très content de te voir. J'espère que tu vas apprécier. Je vais faire mon possible pour te sortir quelque chose de bon. On a une autre Young Gun ici. Elle est pour le Blue Jackets de Columbus. Jackets de Columbus. Kevin Stenlund. Le Suédois. Il est solide, Mr. Deal. En personne ou le personnage? Ah, je suis sûr qu'il est aussi solide en personne que le personnage. Ouais, je l'apprécie beaucoup. Ça fait pas longtemps que je suis un petit peu ce qu'il fait, puis j'apprécie. Ouais. Ah ben c'est ça, j'étais certain, excusez-moi, hein, petit, j'ai pris un petit moment de lecture, mais en effet, GF, on se connaît, là, hein? C'est bien le GF du Moulin, là, c'est ça?
Monsieur Fouché. Chris Letang, Portraits pour les Penguins de Pittsburgh. Je suis pas mal sûr que c'est ça, mais j'ai comme pas. J'ai pas trop pris de chance, là. T'sais, des fois, on pense que. Puis. Ah, exact. Ah, ben, salut, Jeff. Écoute, long time no see. Ouais, c'est ce qu'ils disent, un beau prénom. La prochaine carte ici est pour les Devils du New Jersey. Laissez-moi juste une petite seconde. Les bases sont très, très, très collées. Je veux juste être certain de ne pas oublier quoi que ce soit. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais, je ne les plie pas. Faites-vous-en pas. Alors, Next Generation pour les Devils du New Jersey. Nico Hischier. Nico Hischier. Ben, en tout cas, salut. Puis, super, super content de te revoir. Ben, du moins, de façon numérique. La prochaine carte ici va être, je crois, une autre Pure Energy pour Vegas. For Vegas, the mat is for you. Vegas, Jonathan Marchessault. Pure Energy for you in BC. Congrats. Donc, ouais. Je sais pas, est-ce que ça va toujours bien dans la vie de tous les jours? Je sais que tu avais eu, je crois, je me rappelle plus si c'était un petit gars ou une petite fille, mais. Au moins un enfant, du moins. La prochaine ici, Blake Lizott pour les Kings de Los Angeles. Blake Lizott, un nom qui, en 2019-20, on sortait et on faisait ou de... Et étonnamment, il est pas mauvais, ce joueur-là. Un beau petit joueur. Pas nécessairement le plus gros. Hein. On s'entend qu'à 5 et 7, moi-même, je suis un peu plus grand. Mais 172 livres. Pas jeune. Mais il a quand même un bon talent. Alors, c'est drôle, il vient de Lindstrom au Minnesota. Alors, Blake Lizott, Young Gun pour les Kings de Los Angeles. Ce qui devrait être notre 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, il nous reste une Young Gun dans cette boîte-ci. Et surtout, Jeff, un gros merci. Un gros merci de l'encouragement. C'est très apprécié. Canvas ici, Tanner Pearson pour Vancouver. Pour les Canucks, Tanner Pearson. Et tous les autres qui peut-être ne sont pas manifestés et qui voudraient quand même me souhaiter un petit bonjour. Gênez-vous pas, je suis vraiment parlable. Je mords pas, je suis très gentil. On a une autre insert ici. Il s'agit de Connor McDavid pour les Oilers. D'Edmonton, Connor McDavid. 30e anniversaire. Ah, ça, la chance, laisse-moi te dire, quand elle passe, faut la prendre. Mais elle n'est pas souvent là. L'important, je pense, c'est toujours de garder ça plaisant, d'avoir un peu de plaisir. Pas faire ça, je recommande toujours aux gens qui commencent dans le monde des breaks de pas trop tomber profond. En attendant, Portraits ici pour Nashville, Yodi Portraits. Pekka Rinne. Donc, gardez ça plaisant. Limitez-vous à ce que vous pouvez vous permettre. De toute façon, on va toujours être là pour vous. On va toujours en avoir à vous offrir. Et vous manquerez, même si vous manquez une opportunité, bien, il y en aura toujours une nouvelle pour vous. C'est garanti. Et la dernière Young Gun ici, c'est Scott Sabourin pour les Sénateurs d'Ottawa pour Samy. Alors, Young Gun, Scott Sabourin. Beau but. Malheureusement, je le vois pas en ce moment. Je pourrais peut-être mettre la partie dans un autre coin, étant donné que j'ai quelques écrans. Scott Sabourin pour les Sénateurs. Juste une validation. Suzuki, là, on va lui donner ça. Là. Je pense vraiment que c'est un de ceux qui a les meilleurs lancers. Un bon tir. Je sais pas si c'est un slap shot ou un lancer du poignet, mais il est très très solide sur le lancer du poignet. Très précis. Ça va faire du bien, un gros match. À vous lire, j'ai l'impression que enfin un peu d'espoir. J'ai oublié de regarder dernièrement l'allure du classement. Je sais que le Canadien se plaçait quand même en série il n'y a pas si longtemps. Alors ici, c'est vide. Ouais, c'est trop gentil, c'est mon David.
pourrais en faire un rendez-vous, là. Hein, on pourrait faire quelque chose. On pourrait faire de quoi avec ça? Canadien et PH. Et c'est parti. La série 2 de 19-20. On start ça avec une Elvis Merzlikins. Elvis Merzlikins. Hopichi Update. Voilà, c'est moi juste une seconde. Je vais mieux placer mes bases. Et voilà, je ne vais pas faire d'ombre. En fait, je me comprends. Mais... En effet, parce que Suzuki, là, je pense qu'au début de la saison, là, il était fort, il shotait de partout. Adrian Kempe pour les Kings de Los Angeles. Canvas, il lançait de partout. À chaque fois qu'il y avait une occasion, il y avait vraiment une bonne chance. Là. Il arrivait toujours du côté, faisait un bon tir, ça donnait un retour. Connor Clifton, Portraits Rookie pour les Bruins de Boston. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Suzuki. Je le redis et je l'ai déjà dit, c'est probablement le meilleur coup de toute la carrière de Marc Bergevin avec le Canadien. Sans dire qu'il y en a juste un. Non, c'est pas vrai. Il en a fait plusieurs bons coups. Il en a fait des moins bons. Mais celui-là, première Young Gun. Et on y va avec Nikita Gusev pour les Devils du New Jersey. Là, on est dû pour entendre la sonnerie. En effet, ça serait de très bonne augure si on pouvait gagner ça ce soir pour les séries. Il reste combien de matchs environ? J'avais entendu à peu près une dizaine, pas plus. On devrait finir... Ah non, mais... Non, il en reste moins que ça. Il devrait rester comme un 5 à 8 matchs. Est-ce que je me trompe? Alors, Nikita Gusev, qui est maintenant déménagé, hein, je crois qu'il n'est plus au New Jersey. Mais la carte va quand même à Tony pour le New Jersey. Prochain paca. Je crois qu'on a un jersey. Le jersey sera une Rookie Materials de Oliver Wahlstrom. Donc, Oliver Wahlstrom. Ceux qui doutent de la quantité de cartes dans les paquets, il y en a bel et bien tout à fait 8, sauf dans les cas où il y a une carte dite spéciale, comme un jersey qui est plus épais. Alors, ne mettez pas les 7 bases habituelles avec, ils vont seulement mettre 5 bases. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 5. J'ai jamais compris pourquoi. Majoritairement, c'est toujours 5, mais des drôles d'histoires de même qui... 8, 9, fin de moyenne, 8,5. Rookie Materials Jersey Oliver Wahlstrom pour les Islanders. Ok, on a besoin de feu. Est-ce que c'est 8 excluant celle de ce soir ou 9 incluant celle de ce soir? Ce qui voudrait dire exactement la même chose. Oh, Nick Suzuki pour le Canadien de Montréal en parlant du loup. Aouh! Malheureusement, pas un gros hit, mais Nick Suzuki, là, tout ce que vous pouvez avoir de lui, moi je pense que c'est une bonne chose à conserver. Je ne crois pas qu'il deviendra un jour un Wayne Gretzky, mais sûrement un très bon joueur du Canadien, s'il peut rester à long terme avec l'équipe. Excuse-moi, c'est qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui a dit 8, et quelqu'un a dit 5-6, et toi t'as dit 9, quelqu'un 7-5-3... Oh non, ça c'est pas bon par exemple. Alors, Nick Suzuki ici, tiens, OPC update. Et je n'ai pas fait sonner la sonnerie du Canadien pour une bonne raison. Parce que je sais qu'on va avoir quelque chose de mieux. Je veux festoyer. Oh non, ça sera pas là. Ben coudonc! 2-2 pour le Canadien de Montréal. Alors, c'est un petit présage. Allons-y quand même dans ce cas-là pour faire un petit... Boum! Je vais juste entendre la sonnerie. je fais mon... excusez-moi l'expression. Là, mon, quand on dit ça, agace. Alors, juste vous teaser, comme on dit. Alors, Nick Suzuki ici, OPC Retro Update pour le Canadien de Montréal. Pas une carte à 1 million, mais quand même. Comme je disais, toujours excellent. Une belle Nick Suzuki. C'est sûr qu'à 5-3, il reste combien de temps? On doit être en fin de troisième période, là. Ça regarde moins bien. À moins que c'était 5-3 pour le Canadien. Mais
On a un Young Gun ici pour les Hurricanes, Julien Gauthier. Julien Gauthier, qui est un membre des Rangers de mémoire. À moins qu'il ait rechangé, mais pas mal sûr. Toujours un membre des Rangers de New York. Julien Gauthier, petit gars d'ici, de Pointe-aux-Trembles, pas très loin de chez moi, pour les Hurricanes de Samy. Julien Gauthier. Prochain paca, fini. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer? Parce qu'il me semble que tantôt c'était 3-2 Winnipeg, mais j'ai... Quelqu'un a dit 4-3, mais je savais pas officiellement c'était 4-3 pour qui. Ah, 5-3 Canadien. Yes, merci GF. Alors, on a ici une belle canvas, Sidney Crosby, pour les Penguins de Pittsburgh. Donc, festoyons un petit moment avec eux. Bon. C'était pour dire félicitations aux Canadiens de Montréal. Mais ici, on a une besogne à faire et on ne blague pas. On veut s'assurer d'avoir du beau carton pour vous. Marky Rookie, Martin Fairvary. OPG Update pour les Capitals Washington. Alors, félicitations aux Canadiens pour cette belle victoire de 5-3. Si vous êtes en différé et que vous n'avez pas vu le match, je m'excuse. Leon Bergman, Portraits pour les Sharks de San Jose. Moi, j'étais comme tout triste en pensant que finalement, il avait perdu, mais... S'il venait, tant mieux. Là, je suis content. Young Gun. Joel Person pour les Oilers. D'Edmonton. Qui a Edmonton? Ça m'intrigue. C'est Joe. Alors, mon Joe, tu as une Young Gun de personne. C'est ma blague du vendredi soir. Podoum-tch. J'ai besoin d'un peu d'acclamation, là. Joel Person, Young Gun. Ça va me prendre un son là, pour les jokes plates dans pas long. Et on continue ici avec une blue parallèle de Nikita Gusev pour les Devils du New Jersey. Alors Nikita Gusev, blue parallèle pour les Devils. And dance with the devil. Prochain paquet. Allez. Un son avec pouet, ouais. Ça serait mieux, en effet. Ça serait beaucoup mieux. Et on a une autre Marky Rookie ici de Carter Verhage. Je me suis enfargé, excusez-moi. Donc, pour le Lightning du Tampa Bay, Carter Verhage, OPG Update. Pour le Lightning. Allez, on veut une Young Gun digne de ce nom-là, s'il vous plaît. Alors, la prochaine ici, c'est une Canvas de Brent Burns pour les Sharks. Right, Sharks, Brent Burns. On veut pas de pouette-pouette. Allez. On veut un boom, s'il vous plaît. Nous avons une Young Gun de... Ryan Lindgren, le frère de Charlie. Pour les Rangers. Alors, on aime la sonnerie des Rangers. Est-ce que ça mérite une sonnerie? Si on n'a pas de hit digne de ce nom dans cette boîte-là, je vous promets de vous remonter le moral un petit peu. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est un peu devenu comme une tradition. Je dis comme parce qu'on n'est pas encore assez, depuis assez longtemps en affaires pour qualifier ça d'une tradition, mais je crois avoir créé quelque chose qui s'y rapproche. Et on y va avec une Portraits Rookie de Dmytro Timashov pour Toronto, Dmytro Timashov. Portraits Rookie pour les Maple Leafs. Prochain paca. On a une... Oh, hein?
Que c'est ça? Oh! Ben ouais, boum! Il a fallu chercher un peu, là. Hey, on y va, boum! One of one! Curtis Joseph! Oh boy! On est plus dans. Dans le classique. When the sand. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, nous avons ici une One of One. Donc, une carte unique de celle-ci. Curtis Joseph, 30e anniversaire. Buyback. C'est une carte originale qui a été, excusez-moi l'expression, stampée, one of one, pour le 30e anniversaire. Voilà, je ne sais pas si on va mieux la voir sur le côté. Allons-y. Voilà, Curtis Joseph. Bon, elle finit pas cette tune-là. Excusez-moi. Alors, bravo pour les Blues. Juste un petit check-up très rapide. Qui a les Blues de Saint-Louis? Bien, c'est François. Félicitations, François. Une belle One of One. Curtis Joseph, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale des années 80-90. Et même peut-être début 2000, si je me trompe. Bref, on l'a tous, je crois, apprécié. Curtis Joseph. Prochaine carte ici. Retro OPC. Elvis Merzlikins pour Columbus. Rookie OPC Update. Elvis Merzlikins. Mon Alex. Quelqu'un qui va se faire casser les oreilles. Young Gun. Nikolai Prokhorkin pour les Kings. Les Kings de Los Angeles. Qui continue, hein? Tantôt c'était Blake Lizotte. Et maintenant c'est Nikolai Prokhorkin. Juste ouvrir ceci. Voilà, désolé pour le bruit. Ça fait tchic-tchic dans les oreilles. Mais c'est pour une bonne cause, mais ça prend une sleeve avant tout. Donc voilà, Nikolai Prokhorkin. Holy Kings. C'est fait. Prokhorkin. Holy Kings. Alors, il nous reste 4 paquets série 2 de 19-20. On est dû. Et nous sommes dû pour Anders Lee. Canvas pour les Islanders. Qu'est-ce qu'il fait là? You Walkie, où il a l'air de faire couler du béton. C'était pas clair donc. Anders Lee. Canvas pour les Islanders. Allez hop. On enchaîne. Reste 3 paquets. On a ici une Artemi Panarin. Update OPC. On dirait qu'il manque quelque chose sur la carte. Donc Artemi Panarin, dis-je oui, pour les Rangers de New York. OPC Update. L'avant-dernier paquet. Allez. Comme on dit par chez nous, s'il vous plaît. Et on a une portrait ici. Portrait Alexander Volkov pour le Lightning de Tampa Bay. ça va ici. Alors, Alexander Volkov, excusez, il y a un petit peu de tonnerre dans le coin. Oui, il y en a encore. Oui. Ils sont très rares, naturellement, là. J'en ai vu. Oui, dans cette année-là, je suis sûr que j'en ai vu, mais je ne saurais pas dire. Et la dernière carte ici, eh bien, c'est pour le Canadien de Montréal. Pourquoi pas? Et là, on va se le dire, là. Ça mérite une petite acclamation spéciale. Allons-y!
vous demandez et vous recevrez. Alors, Kaden Primo pour le Canadien de Montréal. Alors, j'espère que ça va réveiller un peu les ardeurs de ces deux boîtes-là derrière moi. Là. Ben, en fait, derrière vous, derrière le stand, bref, qui sont sur ici la table qui vous attendent pour le restant de ce break. J'espère que ça va les avoir motivés à dire « Ah ouais, il faut sortir des gros hits. » Parce que deux premières boîtes, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, on y va. OK, série 1. De 2021. On repart ça à zéro. Et non pas à zéro, parce qu'on a quand même quelque chose de fait, mais on va chercher un petit quelque chose. Non, ça a pas marché. Oh, je suis tombé coquin. Tiens. Et voilà, c'est fait. Merveilleux carton. Voilà, et voilà ici. La pile de droite et notre pile de gauche. Alors, c'est vide. 24 nouveaux paquets. Série 1, 2020-21. Alors, là, on repasse. Let's go. Je crois qu'on commence avec une Young Gun. Non, désolé, faux espoir. C'est une Predominant de Brady Tkachuk pour les Sénateurs. Là, ici, il faut que je fasse une petite attention au nom. Parfait. Parce qu'il y a des variations françaises. Et il y a aussi les habillements, que j'oublie toujours le nom, qui sont les suits and machin truc de ville. Et la prochaine carte ici, Elias Pettersson Canvas pour Vancouver. Pour Vancouver, Elias Pettersson. Allez, ça c'est bizarre, le paquet a coupé en plein milieu. Là, on a une Young Gun, j'en suis certain. Et il s'agit de Joel Kirivanta pour Dallas. Alors pour les Stars de Dallas, Joel Kirivanta. Young Gun, et voilà. Je sais que je le répète à chaque break parce qu'on dirait que j'en sors une par break de lui. Mais, Kirivanta a sauvé les honneurs des Stars de Dallas en série, en prolongation, au moins deux fois. Prochain paquet, on y va. C'est une variation ça? Ouais, on a une variation pour Pittsburgh. Alors, c'est une variation habit de ville pour les Pingouins. Jake Gensel. S'il est revenu, ben, il est pas tant parti. Qu'est-ce que tu veux dire par revenu? Il a pas joué un ou deux matchs parce qu'il frappait comme de la chenoute. Mais il est revenu, oui, il a frappé son premier circuit une journée cette semaine. Alors, la variation ici pour les Pingouins de Pittsburgh. Alors, merci Curtis. Curtis a pris la pause pour nous un bon moment. On revient avec la liste de nos équipes. Alors, Jake Gensel ici pour Max. Je vais te mettre ça ici. Et naturellement, notre One of One va prendre le devant de notre duo du Canadien, Primo et Fleury. Prochaine carte, c'est une Young Gun. Et il s'agit de Mickey Anderson pour les Kings. Trois boîtes, trois Young Guns pour les Kings. Alors, celle-ci est de Mickey. Hey, Mickey, you're so fine. Alors, Mickey Anderson pour les Kings de Los Angeles. Voilà. Un défenseur. Un beau 6 pieds, un bon gabarit, correct. Mais j'ai pas été. Écoute, j'ai tellement pas regardé les résultats à date de ce soir, les matchs de ce soir. Est-ce que vraiment Dalbec a joué 1 et 2, a fait quelque chose de bon? Très, très, très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Yoli Portraits pour les Kings, encore une fois. Gabe Vilardi. Pour les Kings. Lui, il a volé la vedette à Turcotte, je pense, son nom. Alex, en tout cas, peu importe son prénom, j'ai un petit blanc de mémoire, là.
Mais Turcotte n'a pas pu jouer pour une blessure, finalement. Je pense qu'il n'a juste jamais été rappelé. David Krejci pour les Bruins de Boston, Canvas. Puis c'est finalement lui qui a pris pas mal de place dans l'équipe cette année. On pensait tous que ça allait être. Puis Byfield, lui, vient juste d'être rappelé. J'ai pas vu ce qu'il a fait à son premier match. S'il y en a qui ont des petites statistiques à me fournir, je suis preneur. Dominique Kubalik debut Tate pour les Blackhawks de Chicago. Oh, Young Gun Clearcut. Oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on va faire ça comme ça ici. Base, base et base. On a trois bases. Il nous en reste donc quelques-unes. Une à l'arrière pour cacher. Alors, derrière Nick Foligno qui se cache. Bonne chance à tout le monde. Excusez, prise 2. Ah ben, c'est Gustav Lindstrom pour les Red Wings de Détroit. Alors pour Détroit, oui, je cherche l'équipe. Allons-y. Boum! Cynthia, Gustav Lindstrom, Young Gun, Clearcut. Et en français, on dirait Young Gun transparent. Alors pour les Red Wings, félicitations à toi, Cynthia. La tourne se finit très très bientôt. Alors voilà. Alors c'était une belle clearcut. Quand même, sont très très rares. Les plus rares sont nécessairement les clear-cut exclusives. Et naturellement, les plus rares ne sont pas clear-cut, mais ce sont les high-gloss. Prochain paquet. On y va avec une NHL Worldwide Teuvo Teravainen pour la Caroline. Pas le bon. Ouais, mais lui, c'est Lindstrom. C'est pas Lidstrom, c'est Lindstrom. Tandis que le Lidstrom, lui, a pris sa retraite il y a quelques années. Ah, merci du renseignement. J'apprécie. J'avais pas vu. Je savais qu'il avait été appelé pour jouer son premier match. Mais j'avais vu absolument aucun flash, rien de ses performances de ce match. David Pastrnak, Portraits pour Boston. Alors, un gros merci. Byfield semble avoir joué 18 minutes et rien de particulier. Ça arrive, il est encore très jeune, on s'entend. Il y en a même qui le voyaient, Byfield, avoir une chance. Lui, ouais. Stutzel avait des chances, là, selon certains, d'être repêché avant Lafrenière, mais ça a tout été dissipé à quelques jours du repêchage. Young Gun ici, Alex Belzile pour le Canadien de Montréal. Alex Belzile, une autre Young Gun pour le Canadien. Car le rafle tout avec le Canadien. Bon, il y en a quand même trois. Trois sur à date 12 plus on est à 2, 3. Donc, Alex Belzile pour le Canadien de Montréal. Va les rejoindre ses petits compagnons ici. Et voilà. Alors avec Primo et Fleury. Belzile, Fleury, Primo. Ça sonne très québécois. Ouais, dans UD3. Oh, une autre Young Gun ici. Une autre Young Gun. Il s'agit de Pavel Francouz pour le Colorado. Pavel Francouz. Ouais, ben c'est ça. C'est, vous savez que ceux qui sont pas au courant, d'habitude, Upper Deck se limite à deux éditions de Young Gun, appelons ça comme ça. Avec la série 1 et la série 2, une généralement en octobre ou novembre et l'autre à peu près dans le coin de février. Et cette année, ça a été tout simplement chamboulé. Alors, Pavel Francouz, Young Gun pour le Colorado. Le plus gros du problème, c'est que la date limite
pour produire la série 1 était bien avant le début du premier match de la saison à cause de la merveilleuse COVID. Et à cause de tout ça, bien, plusieurs joueurs ont commencé ou ont eu leur carte. En fait, plusieurs ont eu leur carte. Dustin Brown, Canvas pour les Kings. Alors, beaucoup ont eu leur carte sans même pouvoir jouer un match. Et plusieurs ont joué. Et parce qu'ils ont commencé en janvier, la date d'impression de la série 2 était déjà passée. Et ils n'ont pas pu les produire à temps. Mackenzie Blackwood, Rookie Retrospective pour les Devils. Alors, c'est un peu ça le problème qui est survenu. Alors, ils ont fait cette année le choix de sortir une troisième édition qui ont appelé le Extended Edition. Ça se voit dans d'autres produits, dans d'autres sports. Surtout des années où il y a eu des événements particuliers. Alors, on a une variante française ici pour Vegas. Pretty strange, hein? The French variation goes to you, Nemeth, with Vegas. And it's pretty nice that it goes to you because in BC, we usually think you speak in English. So, nothing bad here. It's really cool for you. So, French variation of Alec Martinez for Nemeth. Alec Martinez, the French variation. Nice it. At least you have something. Last break, I was so sorry for you. I always feel bad when someone didn't eat it something. It's part of the game, but if it was just to me, everyone will have something at the end of a break. Things are not always like that. Kirby Dack, debut date pour Chicago. Je vous souhaite seulement ce qu'il y a de mieux à tous, comme je disais à notre cher ami Nemeth. Moi, je souhaiterais que tout le monde ait quelque chose. Malheureusement, les boîtes ne sont pas faites comme ça. On est responsable. On n'est pas responsable plutôt de ce qui s'y cache à l'intérieur. Alors, on veut quand même le meilleur pour vous. Connor McDavid pour les Oilers d'Edmonton. Connor McDavid. Ah, OK. Une base bizarre. Alors oui, c'est prévu qu'il y ait des très très bons joueurs dans les Young Guns du Extended Edition. Mais à suivre, Predominant Kyle Connor pour les Jets de Winnipeg. Et la date de sortie à date... je recommence deux fois à date dans ma phrase. Prise 3, on va l'avoir. La date prévue de sortie, et voilà, pour le Extended Edition est le 14 juin. Carey Price pour le Canadien de Montréal. Canvas. 100 points. Wow. Ben oui. En fait, il a déjà atteint un sommet, si je ne me trompe pas. Au cours, pas du dernier match qu'il a joué, le match précédent, il me semble qu'il a atteint un plateau que Wayne Gretzky avait atteint. Il me semble que c'est ça, qui était un des plus rapides à avoir franchi cap des 75 points dans une saison. Alors, Young Gun, Holy You Levy, Your Levy. Désolé. Ouh. Holy You Levy. Young Gun pour les Canucks de Vancouver. C'est très très possible, mais c'est. Écoute. Il est à combien, là? Il doit être autour de 60-80. Ça lui ferait 20 points en 8-9 matchs. Ça se fait, c'est possible, mais c'est énorme. En tout cas, chose certaine, c'est s'il le fait, ça lui donne quasi assuré le trophée. C'est pas l'Hard Trust? Ouais, Hard Trust. Holy Yolevi, Young Gun pour les Canucks. C'est Hard Trust. Alors, la prochaine carte ici, c'est une Dazzlers d'un autre franc-tireur de la Ligue nationale. Austin Matthews pour Rock et les Maple Leafs. Oui, je cherche mes mots. Toutes mes excuses. Il nous reste deux paquets de série 1. Et ensuite, on passe à la série 2.
Et on a une young gun ici et qui se cache. Il s'agit de Ty Dillandrea. Ouh! My God, je vais me mordre la langue 2-3 fois. Peut-être que ça va aller mieux. Donc, young gun pour les Stars de Dallas. Ty Dillandrea. Voilà. Je vais être honnête avec vous. J'ai pas l'habitude de faire ça parce que ça peut paraître bizarre. J'ai pas recensé boîte par boîte qu'est-ce qui est sorti. Mais il me semble que la caisse, que toutes ces boîtes-là viennent, c'est moi-même qui l'ai ouvert. Et les deux dernières boîtes de cette caisse sont dans le break numéro 38. S'il n'y a pas une high gloss ou une exclusive intéressante là-dedans. Là. Ah, c'est vrai, c'est de la série 1, ça. Je m'excuse. Oh non, c'est de la série 2 que je pensais. Ah, bref. On va continuer ici avec Mitch Marner. Portraits. Ah, je suis désolé, je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, Mitch Marner Portraits pour Toronto. C'est vrai, c'est la série 2 qu'il y a dans le break de 38. Ah. Bon. Dernière boîte ici. Alors, qu'est-ce que ça me tente de faire? Vous me connaissez encore. Si vous ne me connaissez pas, on va faire un petit interlude un peu cocasse, tout simplement. Avec notre série 2 21. Bonne chance pour cette quatrième boîte. C'est un départ avec une Lightning de Tampa Bay gagnant du prix la Coupe Stanley pour le Lightning. Na 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 na. Hey hey hey, goodbye. Do do do. Et est-ce que... Non, pas la première Young Gun. On y va avec une Emil Larmy pour les Penguins de Pittsburgh. Marky Rookie. Rétro, oui, bien sûr. Ils sont franchement pas belles, je suis désolé. Celle des Red Sox? Ah, si jamais ça va bien, peut-être qu'on mettra celle des Red Sox. Young Gun, notre première Young Gun. Allons-y, allons-y, allons-y. Et il s'agit de Mattis Kivlenix. Mattis Kivlenix, qui, ma foi, n'a pas été si mauvais là, cette année. Là. Il a été un peu backup de Merzlikins parce qu'il était-tu blessé? Mais je pense que c'est quand même un excellent gardien en devenir pour le Blue Jackets. Ils ont quand même un bel avenir avec Merzlikins. Puis Kivlenix, j'essaie de le dire comme il faut, là, sans lire. Alors, Mattis Kivlenix, Young Gun pour les Blue Jackets. De Columbus, de Vincent. Ouais, Vincent. Yes. Kivlenix. Ouais, ça ressemble à ça. Prochain paquet. C'est une Portraits, Thomas Harley. Pour les Stars de Dallas. Portraits, rookie, Thomas Harley. Et on a une variante française. Et pour une fois, on dirait que ça fait quelques breaks que je fais avec plusieurs séries 2. Et les variantes françaises tombent toujours sur des joueurs de la même équipe. Et là, cette fois-ci, on a une variante française pour les Ducks d'Anaheim, Troy Terry à Francis. Alors, mon Francis, variante française, Troy Terry pour les Ducks d'Anaheim. Prochain paquet. Et on y va. Est-ce qu'on a... Non, c'est OK, c'est une Young Gun. Une Young Gun de Mathias Brom. Mathias Brom. Ou on devrait tout dire Mathias Brom pour les Red Wings. Pour les roues rouges. En fait, les ailes. Mais moi, quand j'étais petit, je les appelais les roues. Parce que c'est carrément un pneu. Hein? Alors, Mathias Brom.
pour les Red Wings de Détroit. Les ailes rouges qui aiment pitcher des pieuvres sur la patinoire. On continue avec le prochain paquet. Allez, 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 allez. On veut un petit quelque chose, s'il vous plaît. Là. Pas juste un petit, un gros quelque chose. Là. Et on a une Canvas Alex Iafallo pour les Kings de Los Angeles. Alex Iafallo. Iafallo. On continue. Et je lance un petit appel à tous mes fans de baseball, de football et de basket. Nous avons un break de chacun en route sur le site internet et n'hésitez pas à aller remplir ça. J'ai hâte de vous ouvrir ça. Notre premier break de basket, deuxième de foot et un de nos plusieurs breaks de baseball. La prochaine carte, c'est une recrue de renom pour les Rangers, Alexis Lafrenière. Alors, OPG Update pour les Rangers de Marc-André. Je crois que c'est Marc-André F. Ne pas se tromper avec l'autre Marc-André qui lui est D, si je ne me trompe pas. Pierre-Olivier Joseph, Marky Rookie Retro. Pour les Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins. Pingouin de Pets. Young Gun. Nous avons une Young Gun. Allons-y avec la Young Gun suivante. Nicolas Meloche. Ah bien, et voilà, c'est le cinquième que je cherchais pour les Sharks. Nicolas Meloche. Sûrement un petit gars du coin de Ville-la-Salle au Québec. Nicolas Meloche, 6 pieds 3, 205. À chaque fois que je dis un petit gars du coin, il faut que le gars mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5. Alors, Young Gun pour Nicolas Meloche et les Sharks de San Jose. Il y a les Sharks. Et c'est Carl. Félicitations, mon Carl. Et c'est pas tant que la carte vaut cher, mais j'aime les Sharks. Alors, toujours une petite joie de voir une carte des Sharks quand même. Prochaine ici, encore pour les Sharks. On continue. Nikolai Nishov. Nishov, Nishov. Nikolai Nishov pour les Sharks. The San Jose Portraits Rookie, Nikolai Nishov. Prochain paquet. Allez hop, allez hop. Un autre Young Gun cette fois-ci. Je veux que ce soit une bonne. Alors, quand même pas pire. Ian Mitchell, la recrue défensive des Blackhawks de Chicago. Ian Mitchell. Alors, on se met un petit peu dans l'ambiance, là. Come on. On a besoin de se réveiller un petit peu avec cette chanson. Alors pour le principe, plus qu'autre chose, la carte. C'est une bonne carte quand même. Mais s'il vous plaît, faut se réveiller. Ça là, t'as tellement raison mon frère. Je te donne 100% raison. Ian Mitchell. On va mettre ça. J'ai toujours été un fan des Sharks depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui encore. Vraiment, ils sont en perte d'identité. C'est incroyable. Ok, Thornton n'était pas le plus grand gagnant en matière de match hors saison, plutôt en série, mais je pense qu'il était quand même dans le cœur de l'équipe. Yuli Kansas Young Gun pour Chicago. Et c'est Brandon Agar. Lui, il a quand même une bonne séquence. Là. Brandon Agar. Young Gun Kansas pour les Blackhawks de Chicago de Maxime. Alors, félicitations, Maxime. Encore un 2-2. Brandon Agar. Young Gun Kansas. Brandon Agar va t'accoter sur ton petit ami Yann. Agar a bien fait. En tout cas, du moins récemment. Au cours du dernier break, là, Chicago a tout raflé. La prochaine carte ici, et elle est pour les Devils du New Jersey. Le Suisse gardien, le Cerbère, Gilles Sen. Ça sonne pas... Ça ne pas violent.
Quoique c'est un gardien. Mais tu sais, Ron Extall, lui, il sonnait violent. Puis on disait Ron Extall, puis on faisait oh, lui, il pète ses bâtons sur la barre horizontale. Wilson, le Suisse. Ça sonne doux. Mais c'est peut-être une fausse impression. Alors, Young Gun pour les Devils du New Jersey. Wilson. Allez, à prochain Packer. On semble avoir une jersey. Et là, c'est dur de cacher le nom, mais c'est une Rookie Material pour Toronto. Rookie Materials, Timothy Liljegren. Alors, Rookie Materials jersey, Timothy Liljegren. Les Suédois sont très reconnus pour leur nom de famille qui finissent en... Je finis pas cette phrase-là. Rookie Materials jersey. Ah ouais. En tout cas, ils ont caché son nez. À moins que ce soit son nez qui fasse ça, là. Oh, je suis pas fin avec Brad. Ah, mais tiens, il est là, Brad. Mais c'est pas Brad, il a pas le même numéro. Il commence par 1. Ça doit être Patrice Bergeron. C'est pas Brad Marchand à côté de Gilles. C'est pour ça. Ouh, on continue. Allez, s'il vous plaît, là. Avec Michael McNiven, Marquee Rookie pour le Canadien de Montréal. Michael McNiven. Le gardien. Michael McNiven pour le Canadien de Montréal. Prochain paquet, nous avons une Portraits. Ouh, Lexi Lafrenière. Portraits recrue pour les Rangers. Ils sont où? Il est où le bonheur? Il est où? Portraits rookie, Alexi Lafrenière pour les Rangers. Tiens, on va à côté Alexi ici. Tiens, mon Alexi. Tu vas peut-être venir nous rendre visite. Quoique tu peux pas arriver en high gloss dans celle-ci, mais. On sait pas. Et on continue. Le prochain packer. On devrait avoir une OPG update. Tout à fait de Mikhail Berdin. Pour les Jets de Winnipeg. OPG update. Pour les Jets de André. Salut mon André. On s'est un peu parlé hier. Content de te revoir dans notre break. Blake Wheeler pour les Jets. 2-2 pour toi, mon André. Donc, Blake Wheeler, Canvas. Deux cartes en deux. Paca. Il nous reste 6 pacas, dont un dans mes mains. Et j'espère que c'était un présage, mon Frank, que tu dises. Il était où, les high gloss? J'en veux une dans un paquet. Là. Et c'est Keandre Miller pour les Rangers. Encore les Rangers qui sont en feu dernièrement. Keandre Miller. Et lui, je le dirai pas parce que je sais qu'il est grand. C'est pas un petit gars. Il mesure 6 pieds 5. Un solide défenseur pour les Rangers. Keandre Miller. Peut-être pas un défenseur offensif, mais quand même... Il y a une certaine disposition à être apte à déplacer les gars devant le but. Mettons, vous restez polis. Alors, 5 paquets. Le 100, il y en a un excellent dans les 5 derniers là, pour se finir le break avec un gros boom. Là. Allez. Oh, nice! Boom! C'est boom ça! Oui, pour le Colorado! Nice! L'Avalanche du Colorado de Caroline. Byram. Bowen Byram. Red parallel. Marquee Rookie Red. Et ceci est plus rare que la Black.
La Black qui normalement est numérotée sur 100. Et la Red a des, excusez-moi de l'anglicisme, des probabilités plus rares que la Black. Excellent œuf pour toi, Caroline. Une belle Bowen Byram. Félicitations. Un excellent de défenseur en devenir pour l'Avalanche qui devrait probablement jouer aux côtés de, si c'est pas déjà le cas, bientôt de Kel Makar. Pourrait faire un excellent duo. Et on continue, ce n'est pas terminé. Il nous reste 4 paquets. On pourra encore avoir des belles surprises, là. Je le souhaite. On y va avec une Reed Duke, une deuxième parallèle dans la même boîte. Cette fois-ci, bleu parallèle de Reed Duke for Vegas, for Unimet. OPC update, the Reed Duke, Marky Rookie for Vegas. So Duke will go to BC. On continue. Trois paquets. Top 3. On y va avec trois choses mémorables. Voyons. J'essaie de faire attention. Et voilà. En 2020-21, Upper Deck a un peu, on dirait, renforcé les côtés de paquets. Quand on les tire un peu, ils se déchirent moins. Portraits Rookie pour les Oilers d'Edmonton. Philippe Broberg. Un autre très bon prospect défenseur, un produit suédois. Je ne sais pas s'il se monte en morceaux comme chez Ikea. Oh! Non, là, c'en était une autre, hein, mon Frank? Ça me faut il me faut vraiment un poit. Marky Rookie, c'est de Gilson. Gilson pour les Devils du New Jersey. Et j'aime ça l'appeler Tigil. Ça me prend toujours un Gil pour des Tigil. Et notre dernier paquet, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Je vais terminer ça en beauté, tout le monde. Je veux un boom, OK? J'en veux un. On a au moins une Dazzlers. Et une Canvas. Allons voir quelle est la Canvas. Adam Fox pour les Rangers. Et la Dazzlers, une Brent Burns, blue, pas mal sûr que c'est blue, j'ai semblé voir la différence en comparant une rose et une bleue l'autre soir, alors pas mal certain que la Dazzlers est bleue, de Brent Burns pour les Sharks. Et c'est ce qui met fin à notre break numéro 37, Brent Burns, Dazzlers. On va faire un petit recap, donc un petit retour à l'arrière de nos hits les plus frappants, si on peut dire, de ce break. Numéro 37, mettons ça ici comme ça, voilà, et on ramasse le tout comme ça et comme ça. Ok, no problem Nameth, you can always watch again the video if you want to see the recap again. So thank you, hope to see you again in another break. Good night. Pour tout le monde, le reste, on y va. Recap. Brent Burns, Dazzlers, Blue. Kendry Miller pour les Rangers. Pour Toronto, Timothy Lilgren. Gilson Youngun, Nicolas Meloche pour les Sharks. Lafrenière, Mathias Brom. Variante française pour Anaheim. Troy Terry, Mathis Kivlenix. Columbus, Ty DeAndrea. Pour Dallas, Soli, Kiolevi, Vancouver. Alec Martinez. Variation, Pavel Francouz. Colorado, Mickey Anderson. Young Gun, Jake Gensel, variation pour Pittsburgh, Joakiri Vanta Young Gun, Nick Suzuki pour les Canadiens au Pitchy Update, Nikolai Prokhorkin, Ryan Lindgren, Young Gun, Joel Persson pour Edmonton, Julien Gauthier pour la Caroline, Nick Suzuki Retro pour Montréal, Oliver Wallstrom pour les Islanders, Scott Sabourin, Blake Lizotte, Kevin Stenlund, Leon Bergman, Brandon Hagel, Canvas, Young Gun Canvas pour Chicago, Ian Mitchell, Young Gun, Nikita Gusev, Gustav Lindstrom pour les Red Wings de Détroit, Clear Cut, Victor Olofsson, Young Gun pour Buffalo, Alex Belzile, Montréal, Kaden Primo, Montréal, Kel Fleury, Montréal,
Alexis Lafrenière. Portraits Rookie, Bowen Byram, Red Parallèle pour l'Avalanche du Colorado et notre One of One. Buyback de Curtis Joseph pour les Blues de Saint-Louis. Félicitations à Francis ainsi qu'à toutes les personnes ayant frappé une belle carte dans ce break. Pour les autres, vous pourrez toujours vous reprendre avec le break 38 ou un prochain qui vous intéresse. Alors c'est APH qui vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Moi j'ai eu du plaisir, j'espère que vous en avez eu. C'était pas les plus belles voix, je le sais, je m'excuse. Alors, j'essaie. Je vais travailler fort, là. On va sortir du gros stock. On y va? Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié et qu'on se revoit le plus rapidement possible. Je vais aller jeter un œil, j'ai le téléphone qui n'arrête pas de vibrer depuis tantôt. Donc, est-ce que c'est des ventes? Allons voir. Donc, si quelque chose se passe, ça va me faire un plaisir de revenir en ondes dans les prochaines minutes. Alors, passez une bonne fin de soirée, sinon. Et on se revoit très bientôt. Au revoir.